Et c'est parti, on y retourne. Donc là maintenant, on va pouvoir aller sur l'île. C'est parti. Ah, non, je croyais qu'on pouvait. Non, je dois pouvoir utiliser le bateau. Il va peut-être falloir que j'aille voir le gars là qui s'en occupe là. Ah, c'est où le gars? C'est là. Ah, voilà. Salut Eden, bonne nouvelle, mais vraiment bonne. Ce robot Kyogre dont on te parlait, il est enfin terminé. Lorsque mon grand-père s'y est mis sérieusement, il a réalisé quelque chose d'assez surprenant. Viens ici, petit gars, viens écouter mon grand-père. Ok, bon bah j'arrive. Comme Zach le disait, nous avons enfin fini le robot Kyogre. C'est un petit bijou. Hein? Que se passe-t-il? Quoi? Allons bon, le quartier général du groupe Ombre est sur l'île Ténébra. Et tu veux y aller? L'île Ténébra, hein? Ce n'est pas étonnant que personne n'ait trouvé la base du groupe Ombre avant. Les courants autour de l'île Ténébra sont forts et le temps est toujours à l'orage. On n'en peut s'en approcher ni par la mer ni par les airs. Zach, c'était certainement vrai auparavant, mais maintenant. J'ai compris, papy, le robot Kyogre, c'est ça? Exactement, Zach. Notre robot Kyogre sera capable d'atteindre l'île Ténébra. Très bien, nous devons préparer le départ du robot Kyogre pour Eden. Allez, Zach. Oui, chef. Voilà, ils vont s'en occuper, je vais pouvoir le prendre. Alors, par contre, on sera obligé de faire, je pense. Des allers-retours parce que des hyperboles, je pense pas que j'en aurai assez. Non? Ah, te voilà par ici. Regarde près de la jetée. Ouais, j'ai vu. Ça se voit très bien. C'est le robot Kyogre. Tu ne trouves pas que sa forme et sa couleur sont satisfaisantes? Saisissantes plutôt, pardon. Il est prêt. Tu peux y aller quand tu veux. Bon, ben, on est go. Hein. Il est stylé, hein, le robot Kyogre. Il y a un volcan. Oh là là. Oh là, tous les méchants qu'on va se taper là. Oh là là. Il y a un autre bateau à côté. Il veut quoi, lui? Hé, toi, pas mal ton engin. On ne se serait pas déjà rencontré dans un port quelque part? Je n'aime pas trop les gens qui viennent sans avoir été invités. Je m'en doutais que ça allait finir par un combat. Alors lui, il n'a pas un uniforme de méchant, mais il a dû transporter le groupe Ombre. C'est peut-être leur taxi, hein, le chauffeur. Alors, je vais mettre feinte sur tout le monde. Ah, ça va, s'ils sont dans les niveaux 30, les adversaires, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir trop d'ennuis. Ouais, je mets pareil, hein, d'ailleurs. C'est cool. Ah, c'est vrai que dans le set j'ai plein de d'attaques bien là. Je vais voir ça après. On a quoi quoi? Va falloir que j'essaye de le capturer. On va d'abord battre les autres là.
serait peut-être bien d'avoir un Pokémon haut dans l'équipe quand même. Mais bon, plus que je garde des Pokémon, plus que après je peux pas mettre les obscurs dans mon équipe, c'est ça le truc. Que si je laisse les Pokémon obscurs dans le PC, bah j'arriverai pas à enlever leur malédiction. Ok, donc là j'en ai deux à essayer de capturer. À peine arrivé qu'il y a des Pokémon obscurs quoi. Alors que fais-je? Bon, je vais mettre une hyperbole pour Ténéfix. Hyperbole. Et les balles c'est quoi déjà? Une balle marchant bien sur un Pokémon eau ou insecte. Ah bah. Ouais mais non, parce qu'on va faire un quoi qu'après on va mettre le filet bol. Alors ici c'est quoi? Confortable qui a un Pokémon amico. Ok, j'en ai qu'une. Je me prends une hyperbole. Et pour un quoi je mettrai la filet bol. D'abord que je l'affaiblisse. En plus je peux pas capturer deux Pokémon obscurs. Au même temps, je suis obligé de faire un par un. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas cool ça. Bon, deuxième tentative. Déjà que j'en ai pas beaucoup, on est mal. Je suis obligé de refaire mon stock. C'est ça le plus compliqué, parce que de les battre, ok, il n'y a pas de souci, mais alors pour les capturer, waouh. Que fais-je? Je vais faire quoi que là. Oui. Filet bol. Ouais, là, si je lance une attaque, à mon avis, ça pourrait faire. Changer de Pokémon. J'ai regardé les résumés là, pour voir les attaques. Ouais, j'ai personne qui a quelque chose pour paralyser ou des trucs comme ça quoi. C'est ça qui est dommage. Bon, je vais changer quand même. Bon, lui c'est bon. Ouais, du coup j'ai envoyé Caninos parce que sinon les attaques de Noctali vont être trop fortes. Donc là je vais essayer de l'affaiblir un petit peu mais pas trop quand même. Ça va être compliqué, je le sens. Donc pour pas qu'il attaque, je vais l'appeler. Et là je vais mettre franchement je sais pas c'est quoi la différence. Ah, ce noir en noir, bon allez. En espérant que ça fasse pas grand chose. Ouais, je vais peut-être en remettre une quand même. Hein. Voilà, et là, on va lancer une hyperbole. J'espère que ça va aller cette fois. Oh, toujours pas. C'est pas vrai. Je suis deg. Pas sûr qu'on va y arriver hein.
Moi, je relance quand même encore une attaque. Va-t-on y arriver? Suspense. Bon, là, je vais retenter de lancer une hyperbole. Objet. Putain, deux de gaspillés là. Oh, je suis deg. Ah bah enfin, quand même. Cet enfant est fort. Et ouais, je sais. Ça alors, je vais en faire un rappeur. Oh là, il va aller prévenir tout le monde comme c'est super. Je vais garder son bateau. Ah oui, avant, je voulais voir au niveau de mes attaques. Tiens, bah, je vais utiliser le PV plus tout. Utiliser. Pour qui, par contre? Noctali. Le Pokémon de départ. Ouais, je sais pas. Est-ce que je le mets sur Noctali ou un autre? Sur les Pokémon obscurs, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Ah, je vais le donner à Démolo, ça y est. Ah, ça marche pas. Bah quand même. Ça marche sur Noctali ou pas? Non, même pas. Ah, ça monte les PV normalement, mais là, ça fait rien. Bon, bah tant pis, on verra ça plus tard. Là, je voulais voir pour les attaques. Alors, le problème, c'est que j'ai deux Pokémon, les autres sont tous obscurs, donc c'est ça qui va poser problème. Voilà, personne n'est apte. Là, j'ai que des attaques pas trop mal. Non plus. Tonnerre, ma personne va pouvoir non plus, je pense. Et ouais. Et Nazarias, bah encore moins. Hein. Bon, on verra ça plus tard pour les attaques. Hein, mais comment es-tu arrivé sur cette île? Genre, il s'en rend compte que maintenant. Là. Garé juste à côté. Tu es venu avec ça, c'est superbe. Mais même Monsieur Crisus, l'homme le plus riche au monde, n'en a pas un. Eddie, j'aimerais bien l'essayer. Je pourrais monter à bord un jour. Bah, je sais pas, c'est un gentil ou un méchant, lui. Bon, allez, je mets oui. Super, tu as l'esprit marin, le sens du partage. Je vais te donner quelque chose pour te remercier. J'ai trouvé ça sur le bateau. Ah bah, j'ai bien fait de dire oui, hein. Je prends l'ascenseur ou je vais là? Il y a du choix là. Mmh. Ouais, bon, bah je pense que on va commencer là. Je suis sûr que l'ascenseur il est fermé. Bon, les Pokémon, il n'y a pas besoin de les soigner là, ça, ils sont en bonne santé pour le moment. Oh non, ça recommence. Ils vont sauter du plafond, ils vont jouer à Spider-Man, c'est pas vrai. Tu m'as laissé ce paix, je ne te laisserai pas passer. Oh là là. Ah, on va en morfler là. On va avoir des gens qui tombent tout le temps. Alors combien de Pokémon il a? Je suis sûr que tout le monde va avoir des Pokémon obscurs là. Il y en a 4. Ok, 4 à vaincre. Feinte et feinte aussi, bien sûr. Ce
ceux qui ont Pokémon XD le Souffle des Ténèbres, n'hésitez pas à me faire part de votre équipe. De vos équipes. Comme ça, je serai. Bon, puis bah, moi, bah, vous voyez bien, hein, pour le moment, c'est juste un duo. Parce que les autres, c'est Pokémon Obscur pour le moment. Ah, ça commence mal, il est paralysé déjà. Alors, morsure et lance-flamme. Je vais aller les guérir après. Je pense que cette dernière vidéo va durer beaucoup plus longtemps que les autres. Parce que là, c'est la finale. Allez, attaque lance-flamme. Ouais, il pouvait pas résister à ça. Hein. La petite fleur là. Mince. Là. Feinte. Et lance-flamme, d'ailleurs. Ah, mais j'ai cru que feinte ça allait suffire. Mais non. Bon. Ah ben il a même pas lancé son lance-flamme. Ah ouais, je suis deg là. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas de Pokémon obscur. Bon, bon, c'est pas plus mal, hein. Parce que vu le temps qu'on met à chaque fois pour les capturer, wow. Ah, tu es tellement fort qu'il vaut mieux en rire. Ouais. Merci pour les 1320$. Pour m'acheter des hyperboles. Bon, pas maintenant, parce que juste d'arriver, il va falloir plus d'argent. Je prendrai des rappels aussi. Bon là je peux pas passer par là, non, faut que je fasse le tour. Attends, je vais attendre s'il n'y a pas un passage. Ouais, je suis obligé de faire le tour. Ah, on n'a pas le temps de s'occuper de boulot disco. Oh. Bah y'a rien là. Ah bon bah si, il faut prendre l'ascenseur alors. Ça veut dire ça. Que de sac. Attendez, on peut passer par là. Ah, c'était là qu'il fallait passer, ok. Il ne quitte jamais le yacht Luxio d'habitude. Où est-ce qu'il court comme ça? Ah, je sais, c'est toi qui l'as chassé, mais non, je blague. On se bat? Bah ouais. Pas trop le choix. Hein. Bon, lui, il a pas l'air d'être méchant. Il a pas sa tenue là. Avec les cheveux bizarres sur le côté là. Il n'a pas sauté du plafond non plus. Ah, par contre, il y a un Pokémon obscur. Ludrio. Ok. Après, c'est le groupe Ombre qui file les Pokémon obscurs à d'autres dresseurs. Barbicha. Ça me rappelle un Pokémon Donjon Mystère, tiens. Alors, que fais-je? Je vais mettre une folie, tiens. Un lance-flamme, ça va pas être compatible. Faire ça.
facile pour capturer, je pense. Oula, surf. Et ils vont pas aimer ça, mes Pokémon, hein, surtout des Melos. Maintenant que t'as ça va, parce qu'il a pas enlevé grand chose. Ah, voilà, des Melos, par contre. C'est un Pokémon de type feu. Alors, on va faire une poursuite. Et objet. Hyperbole. Ouais, j'ai peur que ce soit juste encore. Ouais, mais si j'attaque, j'ai peur que... Quoique, j'ai quand même mis un monde folie, donc on va voir. Allez, rentre. Oh là, c'est pas vrai. Je m'en doutais. Ah, c'est casse-pied ça. Ça se trouve, il en a un autre en plus. On va voir ça tout de suite. Ouais, je m'en doutais. Un autre. Oh là. Ouais, bon bah là normalement ça devrait être bon hein, pour capturer. Je vais mettre lance-flamme sur un attaque. J'espère juste que je vais pas trop griller. C'est bon, oui, c'est bon. Là j'y croyais là. Lance-flamme. Alors attention. Ne le mets pas KO, hein, faut que je la capture. Ah, bon bah c'est mort. J'aurais peut-être dû mettre flamèche, ça aurait été moins puissant. J'aurais dû faire ça, tant pis. Ah, j'ai été écrasé. Et il m'a pas donné beaucoup de sous, hein. Pas trop mal. Au fait, t'es qui? Bah, c'est pas très important après tout. Il est très sociable, lui. Un max à élixir, cool. Ce qu'il faudra, c'est surtout des rappels et des hyperboles. Et des hyper potions aussi. Oula. Oula, un muscleur. Il faut que j'aille nettoyer le Yacht Luxio du maître Malafide. Mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai? Tu devrais me secouer un peu et m'y mettre une bonne fois pour toutes. On fait un combat? Yes. Tu es quelqu'un de bien petit. Je vais te faire honneur. Ouais, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, je vais te faire honneur? Galeki Kuremi. Ah, j'adore Kuremi. Je le trouve trop mignon et trop classe. Alors. Par contre, je sais pas trop quelle attaque mettre. Je vais mettre fente. Voilà, nickel. Avoir de Pokémon obscur, lui. Bulto, j'espère que c'est pas sur des molosses. Ouais, c'est bon. Alors... Bah, je vais faire pareil, hein. Feinté, plus feinté. Et ouais, j'aime bien feinté. J'espère avoir l'occasion de capturer un Coraillon, un de ces quatre.
20 ans encore. Oui, j'adore feinter, hein. Je ne fais que ça. À bientôt niveau 51. Bon, au prochain combat, je le reprends. Bien vu, Matelot, tu m'as impressionné. C'est moi qui l'appelle Matelot, je suis pas Matelot, moi. Je ne parle pas au bon dresseur. Ok. Pas ma faute si je suis plus fort que toi. Hein. Encore un. Hein, dis, tu serais pas un peu louche, toi? Eh, c'est toi le gars louche. Là. T'as vu comment il est habillé, là? Il enflamme. Voilà, ça c'est fait. Nosferatu. Après ce combat là, ce que je propose c'est de refaire demi-tour pour aller chercher l'hyperbole. Parce que là du coup j'ai regagné du pognon, donc ça va être possible d'en prendre plus. Et après je reviendrai. J'imagine qu'on en a pendant un long moment sur cette île. Vu tous les personnages qu'on a vus tout à l'heure là. Alors, mettre fin et enflamme. Et normalement ça devrait être bon. Terminer le combat. Ah ben encore une attaque il faut. Et après c'est bon. Et ok, il m'a donné un coup de corne. Tu me transpercer ou pas? Je suis pas un ballon hein. Non mais... Voilà, basta. Non, je m'attendais pas à perdre. Oh mon pauvre petit bonhomme. Oui, t'es vraiment louche. Ah, j'ai cru qu'il allait me dire oui, t'es vraiment balèze. Ok, sympa. Bon, alors, on va faire comme on a dit, comme j'ai dit, on va aller chercher des hyperboles. Alors par contre, je pense pas que je vais pouvoir prendre aussi des rappels, hein, parce que du coup, il va falloir faire un choix. Hein. Parce que là, j'en ai pas tant que ça quand même. Voilà, est-ce que je peux faire demi-tour au moins? Parce que sinon, on est mal. Hein. Oui, on peut. Ouf. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de magasin là-bas. Hein. Le mur, voilà ici. Donc les hyperboles sont tous là-bas, dans le désir. Ce qui est dommage, c'est que une fois arrivé si loin dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas les hyperboles dans les autres villages, quoi. Acheter. On prend combien là? Que 3! Oh là là! C'est de la ruine!
que 3, c'est tout. Bon bah ouais. J'ai fait demi-tour juste pour 3 hyper balls. Ah là là, c'est pas cool. Parce que je pense pas que j'en aurai assez. Ah, c'est où tu peux aller là-bas. J'imagine qu'il y en a une bonne cinquantaine des Pokémon obscurs sur cette île. Peut-être même plus qu'une cinquantaine hein, qui sait. Moi j'ai pas compté. Hein. Allez, c'est reparti. On doit bien polluer comme bateau que j'ai. On s'en fout, hein, c'est dans le jeu. Hein. Alors, bah tiens, je vais en profiter vu que je suis juste à côté. Ça allait à peu près, mais bon. Ah mince, c'est par là qu'il fallait que je passe, c'est vrai. Oh. J'ai toujours la manie d'aller sur la gauche, je sais pas pourquoi. Oh non, c'est quoi ça? Oh, v'la couette couette. Ah, tu ne serais pas le petit garçon qui s'est enfui avec le professeur Cyrus? Tu sais, tu as mis le maître Malphite très en colère. Il s'en est pris à tout le monde à cause de toi. Mais ce n'était pas si grave. Finalement, on n'a pas eu besoin du professeur Cyrus. J'ai fait du beau travail avec le projet XD001. Les derniers ajustements n'ont pas été si difficiles. Il est parfait maintenant. Il sera absolument possible à purifier. Je suis un vrai petit génie. Une vraie petite peste, ouais. Tu veux voir mon XD001? Je suis désolé, mais ça ne va pas être possible. Pourquoi? Eh bien parce que... Combat. Je vais t'écraser, mon garçon. Admire un peu. Bon, bah là, il y a des Pokémon obscurs, ça c'est sûr. Alors là, j'en suis sûr. Je dois en avoir moins de 2 ou 3, je dirais. Ça se trouve, il y en a qui sera d'ailleurs. On va voir. Non, pour l'instant, pas Pokémon obscur. Mais il y en aura après, j'en suis sûr. Alors, feinte, et lui, je vais le griller. On va passer au four. Un de moins. Ah non, pas vrai, il va trouver mon peu. Morsure. Trois en marque, peu importe. Allez, hop, on se lance pour lui. Par contre, s'ils mettent que des Pokémon plantes, ce serait bien parce que je les grille direct. On a encore un Pokémon de type plante, parfait. Ah, mais obscur cette fois, donc faut pas le griller. Ça va être chaud. Et lui qui est amoureux. Bon bah on est dans la mouise. Allez hop, morsure. Et là. Morsure aussi. Mais j'ai peur que je le mette KO ou quoi. Au revoir. Ouf, ah nickel. Ah ça devrait être nickel normalement. En plus il y a la trouille, c'est bon signe. Eh oh, j'aime pas l'eau là. Oh.
objet hyper cool. Enfin, je vais mettre feinte, parce que le morceau il avait pas été mis encore. J'ai le canard artichaut, youpi! Bon, entre canard artichaut et ratata, y a pas photo. Hein. C'est canard artichaut le mieux. Ah, encore un autre. Mince, des fois je fais des fausses manœuvres avec la manette. On est feinte. Ah oui, alors il est obscur, c'est vrai. Oh, je sais pas quoi faire, les gars. Non, je vais mettre honte folie. Et là, je vais mettre martyr. En espérant qu'on y arrive. Tu remets un morsure. Va-t-on y arriver? Oula! Alors là, par contre, il se donne un coup à cause du. On est mort. Enfin, on n'est pas mort, mais on l'aura pas s'il s'attaque. Non, c'est bon. Oh, on a du pot là. Hyper beau, là normalement c'est bon là. Non, vous attaquez pas. Hein. Là il est nickel là, pour être capturé. Bon, il est pas paralysé ni rien, mais il faudrait suffire quand même. Et voilà, j'ai encore battu Quake Quake. Ah vous, regarde ce que t'avais. Tu n'es vraiment pas gentil. Le maître Malafide va encore être fâché contre moi. Oh, je te déteste. Le maître Malafide et XD001 te feront payer ça. C'est moi qui vont leur faire payer ce qu'ils font. Je fais une petite sauvegarde. Ah, ça y est, encore. Tu te trouves dans un centre de recherche, petit. Tu n'as rien à faire ici. Combat. Oui, je suis sûr qu'il y aura des Pokémon obscurs. Alors oui, quand même, j'ai des points de vie en moins. Faudrait que je trouve un truc pour les soigner. Alors. Qu'est-ce que je vais mettre? Morsure. Et lance-flamme.
Voilà, je vais faire pareil, morsure et un slam. Ah, c'est le dernier, donc il n'y a pas de Pokémon obscur. Feinte et lance-flamme, go. C'est pas plus mal quand il y en a pas, hein, parce que à chaque fois qu'il y en a, je galère pour les attraper. Oh. Bon, après, le but du jeu, c'est de les capturer quand même, et sauver. Ah, désolé d'avoir perdu si facilement. Moi, ça me dérange pas du tout. Et donc, l'eau, elle est violente par là. Voilà, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, un combat, non? Oui. On ne voit pas beaucoup d'enfants ici. Tu es le fils d'un employé. Notre travail est de maintenir l'île Ténébra isolée grâce aux vagues. Grâce à nous, les bateaux ne peuvent pas approcher du Ténébra. Non, il veut pas de combat. Pourquoi tu es le fils d'un employé? 5 hyperboles, ça c'est cool. Nous sommes tous fiers et honorés de servir le maître Malafide. Notre budget est plus que généreux. Et on reprend et on prend beaucoup de plaisir à créer ces vagues. Ok. Oula, ça sent le combat là. Non, pour l'instant il me laisse tranquille. Oula, ça sent le combat par contre. Sauf si je fais ça. Non mais allez, on va faire le combat. Oh. Je vais me changer et enfiler ma blouse. N'entre pas, tu me le promets, d'accord? Ah, même pas de combat, je pensais. Bon bah là il y aura pas. Nous mettons au point les derniers détails de notre plan sur les Pokémon obscurs. Laisse-nous tranquille. S'il croit que je vais laisser tranquille. Non, non, je vous laisserai pas tranquille. Je vais faire le jeu jusqu'au bout. Et en plus j'ai niveau 52. Ça c'est bien, cool. On a peut-être un Pokémon obscur pour la fin. Gangwex. Ah bah voilà, obscur. Obscur aussi, oh là, je sens qu'on va galérer là. Galérer grave. Après, je vais mettre des trucs trop puissants.
ce que j'appelle les trucs, ce sont les attaques. Pas d'attaque trop puissante, sinon. On va pas réussir à les capturer. Ah voilà, c'est nickel. Bon, bras net là. Ça, c'est pas cool par contre. Après, on va faire demi-tour pour soigner Pokémon parce que je sais pas quand est-ce que je vais tomber sur des. Sur ce qu'il faut. Donc, je préfère faire ça. Non, en fait, je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Ça. Et ça. Parce que je vois que Flamèche a pas été trop. Je préfère faire ça. On l'a eu. Est-ce qu'on va avoir l'autre aussi? Suspense. Ouais, pour le moment, c'est moyen. J'ai pas réussi à le mettre dans le rouge encore. Je vais remettre un Flamèche, mais j'ai peur que ce soit. On va voir, on va prendre le risque. Lui, je vais pas le faire attaquer. Ah bah voilà, j'ai pris un trop gros risque. Mince! Pas cool! J'en ai eu un sur deux. Wow, t'es vraiment trop fort. Le Pokémon obscur que j'ai pas réussi à capturer, il s'enfuit, mais il s'enfuit où? Ça, c'est... J'ai jamais su, ça. Oh non, encore! Oh, c'est vrai. Les chercheurs font de la recherche, mais pas nous. Notre boulot, c'est de décourager les gens, de les démoraliser complètement grâce au combat. Alors tu te doutes bien qu'on n'a pas envie de perdre. Bah oui, mais tu vas perdre quand même, mon gars. T'es venu me chercher. Ah oui, c'est vrai, par contre, j'ai pas soigné les Pokémon. Mince. Il a un avantage sur moi, du coup. J'ai pas envie de gaspiller mes Hyper Balls, moi. Mes potions, je veux dire. Alors, je vais peut-être pas avoir trop le choix. Hein. Je vais faire ça et ça. D'un coup. Nickel. Sablero. J'adore ce Pokémon, Absol. Il est trop beau. C'est un Pokémon rare. C'est pas un légendaire, mais un Pokémon rare. Il est peut-être un petit peu légendaire quand même. Hein. Moi, tous les jeux Pokémon que j'ai réussi à les finir, sauf Pokémon Colosseum. En fait, c'est la version précédente de cette version-là. J'ai pas réussi à le terminer, celui-là. Faudrait que je regarde sur Internet, là où je bloque, là, débloquer le, tout ça. Là. Je vous ferai un let's play dessus, bien sûr. Sur tous les Pokémon. Mais pas que, hein, on va pas faire Pokémon tout le temps. Hein. C'est pas...
pas une chaîne YouTube spéciale Pokémon. Bon bah voilà, ça c'est fait. J'ai perdu après avoir fait le malin, plutôt 8 millions. Et ouais, je te l'avais dit. Bon bah moi je vais aller soigner les Pokémon. Je fais demi-tour. Parce que je sais pas quand je vais tomber sur un truc pour les guerres. Donc, Ah mince. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. J'ai pas fait demi-tour là. Ah, ça va marcher le. Ah ça y est. Cher Eden, ceci est mon premier mail. Je te prie de m'excuser pour le premier message que j'ai. Oh là, en plus il y a une faute d'orthographe. Le U il a rien à faire là. Que j'ai envoyé par erreur. Je te prie de m'excuser aussi pour les fautes de frappe. Oui, je n'ai pas l'habitude. Ok. On a compris ce qu'il voulait dire. Mais ok, à part ça, il m'a pas donné plus d'infos. Il m'a juste dit qu'il savait pas trop bien écrire, c'est tout. Bon, alors. Je suis pas allé là-bas là. Je suis pas allé là-bas, faudrait penser à y aller après. Ah bah là, il est là aussi. Docteur, nous pouvons générer des vagues encore plus grandes avec ça, c'est prodigieux. En fait, il dort. Enfin, il somnole. Là-bas la machine. Je vais te faire tout le tour. Voilà, ça c'est fait. On y retourne. On va aller là avant, parce qu'on n'est pas allé tout à l'heure. Peut-être des combos par là. Quand deux courants d'eau se rencontrent, un tourbillon se forme. Tu peux même en faire un dans une baignoire. Super. Aujourd'hui, nous avons de belles vagues. Non, c'est juste du blabla, il n'y a rien en fait. On est allé là? Non, même pas. C'est bizarre que parce que la porte elle était ouverte. J'ai dû y aller mais j'ai pas dû aller jusqu'au bout. Je sais pas ce que j'ai foutu en fait. J'ai failli louper deux guérisons là. On est en plein cœur d'un volcan. C'est trop chaud pour s'en approcher. Ah oui, faut pas que j'aille dans le feu. Oui mais il y a un objet là-bas, je suis comment pour l'avoir hein. Bon bah, tant pis, hein. Peut-être plus tard. Ah, on peut déplacer ça. Là. Ah, c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir déplacer. Donc. Enfin, je peux pas sauter par contre. C'est embêtant ça. Non, ça demande d'être un petit peu astucieux. Ah oui, d'accord, ça fait ça, ok. Moi je pensais que c'est que je pouvais marcher dessus après en fait. Mais en fait non, ça enlève le feu. Ça fait un genre de cratère là. Je passe par là. Là il n'y a rien. Je regarde bien, hein, c'est voir si je loupe rien. Tiens. Ah, j'ai un Pokémon Togepi qui est prêt à être purifié. Ouais mais je vais pas faire demi-tour maintenant. Tant pis pour lui, hein, ça attendra.
toute façon, on sera bien obligé d'en faire demi-tour au bout d'un moment parce que enfin, je rachète des hyperballs, tout ça. Des rappels aussi, un peu de tout. Alors là, j'ai pas réussi encore à passer, j'ai pas vu le... Là, je peux là. Ah, c'est par là. Herbe blanche. Ah oui, donc ça je connais, pour ceux qui connaissent pas en fait, Herbe blanche c'est encore mieux que Rappel, parce que Rappel ça rappelle le, ça remet le Pokémon KO apte à se battre, mais Herbe blanche ça le soigne complètement en même temps. Le Rappel ça lui met que la moitié de la vie. Alors attendez, est-ce que, oui, oh là j'ai deux Pokémon qui est prêt là, on va faire demi-tour les gars, mais j'ai pas trouvé pour le pour l'objet là, voilà. Bizarre. J'ai regardé partout pourtant. Là. Ah non. Après, faut que j'aille là. Peut-être que. Ouais, bon. Enfin, demi-tour, hein, s'occuper des Pokémon là. Parce que deux de près, quand même, c'est pas rien. Et je vais m'occuper de mon stock. On va faire ça proprement. Parce que si on se fout dans le caca. Parce qu'une fois que je serai arrivé. Je pense. Je sais plus comment il s'appelle là. Le. Monsieur Malafide là. Un truc comme ça là. Je pense que ça va pas rigoler. Hein. Pousse-toi, tu me gênes. Un point, j'ai pas besoin de les soigner. Alors, ensuite, il faut que j'aille là. Et on va aller là. J'ai deux Pokémon, un purifié Togepi et l'autre j'ai pas fait gaffe c'était lequel. Ah bah je commence par Togepi. Ah si l'autre je crois que c'était mieux ou ce qui était prêt. Après je vais les déposer dans le PC pour prendre d'autres Pokémon obscurs. Ah faudrait que je regarde aussi où ils en sont là, les autres. Bon, je donne pas de surnom. Au suivant, next. Miaou. Ah ouais, on n'a pas trop le temps de lire ce qu'il y a d'écrit parce que j'appuie sur le bouton aussitôt. Moi. Il me semble qu'il a appris l'attaque tranche. Je voulais voir aussi les résumés des deux autres là où ils sont. Pour où ils en sont. Et ils en sont encore là.
stockage Pokémon. Donc là, la boîte 1 est pleine. Je vais déposer E. Ah non, voilà. Là. On va y arriver. Déposer, voilà. Hop, hop. Et là, bah, je prends, tiens, je prends deux Pokémon pour retirer et retirer. Là, je pense que j'en ai encore une bonne vingtaine Pokémon à purifier, sachant qu'il y en a d'autres encore que je vais devoir capturer. C'est bon, j'ai tout fait ici, là, je pense. Moi c'est bon. On va aller chercher l'hyperbole avant d'y retourner. Moi j'hésite entre prendre des hyperboles ou des rappels. Je peux pas en prendre beaucoup. On prend combien là de... 7. Donc je vais prendre 3 hyperboles. Le reste, je vais tout mettre dans... Ah, attendez, je sais plus ce que j'ai en potion. Regardez, vous savez. Ah, j'ai même pas d'hyper potion. Ah si, là. Et j'ai 6 rappels. Je vais prendre des rappels. On sait jamais. Ah mais c'est plus cher. On va prendre que 3. Ok, bon moi c'est bon, y retourne. C'est où, c'est là. Les soigner pendant que j'y suis. Je sais qu'il n'y avait pas trop besoin, mais j'en profite quand même. Je cours dans le mur, moi. Lui, il me gêne, mais à chaque fois, je suis obligé de le contourner. Nous y revoilà. Ils ont mis... Faut que je fasse tomber les trucs. J'ai toujours pas trouvé pour l'objet là. Ah si, comme ça. Ah bah c'est que ça qu'il fallait que je fasse des rappels, qu'est-ce. Ensuite, ah oui, en fait j'avais oublié de le faire tomber celui-là tout à l'heure. C'était lui qu'il fallait que je fasse tomber pour prendre l'objet. Ok. Je sais pas par où passer là. Voilà. Alors par contre je peux passer ici et je peux aussi passer par là, là vers le... Ah, quoi que. Ah, c'est de jouer à un truc là-bas, là. Ah, un combat.
Tu ne trouves pas qu'il fait chaud? J'ai l'impression de fondre. Ah bah si, il fait chaud, hein, parce que là, au moment où je suis en train de faire le jeu, là, et ben on est en plein mois d'août 2020. Il fait super chaud. Alors, je vais mettre feinte. Et feinte aussi, d'ailleurs. Là, si je mets des attaques de type feu sur des Pokémon de type feu, ça va pas être très efficace. Surtout qu'ils sont pas obscurs en plus, donc là faut y aller, là. Faut pas faire de cadeaux. Voilà ce que ça fait. J'avais prévenu. Le feu contre le feu, moyen. Ça n'a pas été efficace du tout son truc à. Moi ça m'arrange hein, comme ça. Comme ça il n'a pas pu m'attaquer. Un moins. Oh bah lui je vais le cramer le champignon là. Ça va être facile. Il est assez résistant des melos là. Il aurait moins fait le. J'aurais eu un pistolet à l'eau là. Un gros feu en feu. Je vais lui mettre un petit morceau pour changer. Et lui, le champignon, je le crame. Là, normalement, il va y passer direct. Voilà. Magma, ah ça c'est un Pokémon noir. Eh, il est obscur, yes. On va attendre ici à le capturer. Bon. Alors. Que fais-je? Je vais faire ça. Et puis ça. Croisons les doigts. Ouais, c'est pas trop mal. Oh, deux Pokémon obscurs. Bon, je m'en fous, moi, des rayons de soleil, là. Alors, je fais quoi, là? Une folie. Et là, morsure. Oh là! Ouh! J'ai eu un petit peu peur, hein. Je vais lancer l'Hyper Ball d'abord sur Scarabout. Du calme là, je viens de les soigner. Alors, je vais prendre Hyper Ball. Hyper Ball, t'es où? Là. Hop. Et là, vaut mieux pas que je l'attaque parce qu'il va être KO.
Yes. C'est bon, là j'y croyais dur comme fer. Par contre, pour Maïmar, je sais pas si on y arrivait. Oh là. Ah bah si, on va y arriver. Si je reste comme ça, c'est bon. Normalement, il n'y a pas de soucis à se faire. Bon, on va pas attaquer. Hein. Il me reste un petit PV rouge. Et en plus, il est confus. Ça devrait être nickel. Voilà. Pour une fois que je réussis à capturer deux Pokémon obscurs de suite. Non, je m'attendais à un combat facile. Oui, c'est parce que je suis un gosse, c'est pour ça. Et ouais, les apparences peuvent être trompeuses. Oh, la grosse coulée de lave là, ça a l'air bien épais, hein. On dirait du caramel qui coule. Ah bah ça m'arrange par contre. Parce que là, j'ai besoin de les soigner. Ça me donne envie de manger une crêpe au beurre salé. C'est délicieux. Tu as l'air tout mignon, mais tu dois être aussi courageux pour être venu ici. Si je te bats, je grappillerai quelques points avec le maître Malafide. Ouais, mais tu vas pas me battre, c'est ça le truc. Et même le maître Malafide, je vais le battre, parce que je suis sûr qu'il va vouloir se battre. Là, je viens aussi sauver le XD001. En gros, c'est Pokémon qu'il y a sur la pochette du jeu, quoi. Alors... Hein. Et lance-flamme. Alors, je sais pas si on est presque arrivé... là où il y a le maître Malafide. Je me souviens plus trop. Plus de 10 ans, j'ai pas joué à ce jeu. Il y a même plus que ça. Hein. Parce que si le jeu est sorti en 2005, ça devrait faire plutôt 14-15 ans du coup. Après, ce que je me rappelle pas, c'est que quand le jeu est sorti, je me rappelle pas si je l'ai eu. Aussitôt ou si je l'ai eu un peu plus tard, ça je me rappelle pas du tout. Ce que je sais, c'est que je l'ai acheté cher. Je l'ai acheté 50 euros à l'époque. Je l'avais pas acheté en magasin, je l'avais acheté en vide-grenier. 50 euros, je me souviens très bien. J'avais tapé du pied pour avoir le jeu. Après moi je dis le jeu il fait bien son prix hein, parce qu'il est super hein, le jeu quand même. C'est bon qualité prix, on va dire. Bah, la fleur elle a pas fait long feu hein. Grillé direct.
Pourvu que le maître Malafine n'ait rien vu. Bah je sais pas, ça dépend s'il y a des caméras cachées ou pas. S'il y a des caméras, il a dû voir que je t'ai battu. Non, je pense pas qu'il y ait des caméras. On le saurait sinon. Voilà, il y a plein de dresseurs encore. Ah, message. Cher Eden, je t'ai écrit un poème pour t'encourager. La type me snatch fait du grabuge dans le désert, rouler dans le sable, toi seul peux le faire. C'est ça son poème. C'est moyen, hein. Pas très. Y a pas de rime, y a rien. Tu veux passer par là? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pour pouvoir passer, tu dois me battre. Je pense que c'était un poème en prose que j'ai eu tout à l'heure. Donc là, il y a quelques personnes du groupe Ombre, parce qu'on les reconnaît avec leur costume. Il y a aussi quelques dresseurs. Et en flamme là. Je mets souvent les mêmes attaques. Hein. Je sais que c'est des très bonnes attaques. Donc. Quel pétacalé! Attends, j'ai trop pensé à la Team Rocket. Oh non, pas ça! C'est pas cool! On m'a empoisonné. Je vais être obligé d'aller retourner mes soignies après. Je vais mettre. Enfin, je sais pas si lance-flamme ça va faire grand chose sur le cube butoqué. Je sais pas du tout. C'est plus un type psy que butoqué. Ouais, ça va. Nickel. On l'a eu d'un coup. Il me semble que le Kubitoki c'est un petit psy. Comme la Kazam, la Bra, tout ça. Non, ils n'ont pas encore vu d'ailleurs celui-là. Armure. Je vais faire ça. Et je vais cramer Hermule. Nickel. Là, il ne reste plus qu'une attaque à envoyer, on est bon. Ah bah de toute façon c'est des monstres qui veulent avoir. Et voilà, ça c'est fait. Bon par contre comme il m'a empoisonné, je suis obligé de faire des demi-tours encore. C'est pas vrai. Et si. Passe, je t'en prie. Ouais bah attends. T'as empoisonné mon Pokémon, idiot. Par là, là, il y a un objet et un combat aussi, bien sûr. Quoique, peut-être que je lui adresse la parole pour combattre.
Désolé, c'est un cul-de-sac. Ouais. J'aurais pas adressé la parole, elle m'aurait rien dit du tout en fait. Bon, de toute façon, je suis un peu obligé de faire tous les combats parce que si elle a des Pokémon obscurs et tout, bah. Ce qui aurait été bien, c'est que je puisse mettre lance-flamme sur les deux. Ah, encore la fleur de tout à l'heure. Ah là, j'aurais eu que des lance-flammes, là, ça aurait été parfait, je les aurais eu tous eu d'un coup. Ah non, pas ça. Eh, j'ai trop besoin de démelos, moi. Allez, allez, parlez tout. Bon, bah, je retourne le chercher, non. Eh, non, pas bouger. Pokémon. Putain, il a fallu que ça tombe sur des mulots en plus. Et là, il va avoir le niveau 54. Yes. Par contre, je préfère vous prévenir, quand il y aura le générique de fin, après on continuera encore parce qu'il restera quelques trucs à faire. Donc ce sera du plus, du bonus. Ça et ça. Allez, ne te fâche pas parce que c'est un cul-de-sac. Mais je m'en fous du cul-de-sac, moi. Je suis venu là juste pour l'objet et le combat. Désolé, je ne peux pas te dire ce que j'ai fait dans le cul-de-sac. Bah, c'est... Ouais. Elle est chelou, celle-là. Hein. Ah, je peux passer là. Bah, je vais passer là, puis j'irai de l'autre côté après. C'est un petit peu à l'ambiance, quoi. Ah oui, à l'autre côté, il y a ça. Il y a un ascenseur et deux gros bonhommes avant. PP+, yes. Et il y a un truc là aussi. Là. On ira tout à l'heure. Pour le moment, on peut pas passer. Ouah, si tu penses pouvoir passer, tu te mets le doigt dans l'œil. Non, je peux pas me mettre le doigt dans l'œil, ça fait mal, t'es fou toi. De toute façon, il n'a pas le choix de me laisser passer parce que je vais me battre. Alors, fin. Oula, là, c'est des Pokémon. Oula. Ah, nickel. Parce que là, lance-flamme sera parfait. Hein. Ah,
Par contre, sur lui, ça devrait le faire. Ah ouais, d'un coup aussi, voyons. Je m'y attendais pas. Bah tant mieux, hein. Le seul inconvénient dans ce jeu-là, bah, c'est un peu comme dans tous les jeux Pokémon. Je trouve il y a trop de combats, il n'y a pas assez de... Je sais pas comment dire, il y a un peu trop de combats, quoi. Genre toutes les 2-3 minutes. C'est un peu trop. Tu vas pouvoir me laisser passer tranquille. On a perdu. Et ouais. J'avais prévenu. C'est moi qui me suis mis le doigt dans l'œil. Bah ouais. Je sais ce que tu veux. Eh bien non, tu ne passeras pas. Eh ben si, je passerai. D'ici quelques minutes, après le combat. Je me demande qu'est-ce qu'il y a comme objet dans le coffre. Voilà, on a un oiseau un petit peu canard et une petite vache. Je vais faire ça. Et puis ça. Pour terminer sur Brourette. Je connais pas trop ce Pokémon. Je connais même pas du tout. Quoi. Enfin, j'ai déjà vu. On en a tellement. Je connais pas tous. Je connais plein, mais pas tous. Il y en a trop. Il y en a des milliers. Et encore à l'époque, en 2005, il n'y en avait pas des milliers. Il y en avait déjà pas mal, mais peut-être pas des milliers quand même. Et dans les années début 2000, bah, il y en avait 150. Après 151 avec Mew. Là, je vais cramer l'autre. Attendez, parce que moi, c'était pas une bonne idée. Son Pokémon O. On va mettre fin. C'est un poisson. Mais... Voilà. Aquapac. Il est stylé, Aquapac. Un Pokémon égyptien, un peu. Et le type, c'est O et Psy. Ça va être les deux. Bon, lui, c'est un Pokémon O, rien de plus. Je vais mettre fin sur tout le monde. Oula, j'espère que je vais pas me prendre des pistolets à eau dans la figure, là, parce que je suis mal. Surtout pour Demolos. Thank you.
Oh, c'est beau. On va en finir. Hop. Pas tarder à faire une petite sauvegarde aussi. Ah cool, mes deux Pokémon ont niveau 55 maintenant. Ah, il a disparu. Il n'a pas dû être content. Il n'a pas dû apprécier de perdre. Donc un élixir. Ok. Maintenant, on va pouvoir aller de l'autre côté, je pense. Je vais une carte, sinon, bien fait par. Ouais, ça devrait être bon. Hop, je vais faire une petite sauvegarde ici, là.